important. C'est exactement comme la rentrée des classes pour les enfants. Le Salon de l'immobilier à Montpellier, c'est le 18e. C'est un événement important parce que toutes les entreprises, que ce soit des promoteurs, des architectes et aujourd'hui des start-up, sont présentes, se croisent et peuvent permettre justement à des personnes qui veulent acheter des appartements ou des maisons individuelles d'avoir des réponses immédiatement à leur contact. L'immobilier à Montpellier est plus qu'un secteur de pointe. Les derniers chiffres des 3 dernières années le prouvent. Et pourquoi ? Parce que Montpellier, la métropole de Montpellier, est attractive. Attractive par son écosystème, par sa labellisation French Tech, par sa labellisation Montpellier Capital Santé. Donc, énormément de primo-arrivants qui ont besoin d'être logés et de travailler. Donc, il ne faut pas perdre la notion qu'il faut construire des habitations, mais également de l'immobilier d'entreprise. Le secteur économique est en hausse, évidemment. Nous avons un taux de pérennité des entreprises qui est supérieur à celui de la moyenne nationale, au bout de 3 ans, également au bout de 5 ans. Et c'est un écosystème dans lequel on a des TPE, des PME et des start-up. On n'a pas de grandes entreprises style Airbus, mais on a une économie dynamique et très attractive. Et effectivement, il y a un foisonnement permanent. Étant chargée du développement économique, en plus de l'urbanisme opérationnel, je suis en contact avec des start-up et des entreprises qui veulent s'installer sur le périmètre de la métropole. Donc il faut les accueillir, il faut accueillir la famille, mais il faut accueillir également, évidemment, il y a quelqu'un qui veut travailler sur le périmètre. À côté des 7 réseaux thématiques obtenus par la labellisation French Tech, le 8e réseau thématique créé, il a été créé ici à Montpellier, en partenariat avec Nantes, le réseau PropTech. C'est toutes ces entreprises qui amènent un côté innovant aux promoteurs et aux architectes. Et ça, c'est important parce que ça fait bouger le système. Et il faut de temps en temps savoir faire bouger les mammouths, entre guillemets.